danse. Mais quand tout va mal, il faut le louer. C'est mon désir, papa, je veux te louer. Même dans la maladie, dans le bonheur, quand on est malade, dans l'assemblée des justes. Allez, Tobina, allez, Tobina, Kinama, Kinama, yes. Tobina, Tobina, Kinama, Kinama, yes. Tobina, calmement, non, calmement, non, non, Kinama, Kinama, yes. Hello, 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 hello. Bonjour à ceux qui sont en métropole, en France métropolitaine. Plutôt bonsoir. Bonjour, bonsoir à ceux qui sont dans la Caraïbe, ceux qui sont au Canada, ceux qui sont ailleurs, en Afrique. Que le Seigneur vous bénisse. Nous commençons dans quelques minutes. Juste préciser que vous êtes là. Dites de là où vous venez. Sois béni, Pasteur Jemima. Donc, on est déjà dans l'ambiance pour pouvoir louer le Seigneur, pour pouvoir le magnifier. N'oublions pas que nous avons 3 jours spécifiques dans la présence du Seigneur ensemble. Nous avons commencé hier, nous avons eu un moment de gloire dans la présence de Dieu via le réseau social et nous voulons encore bénir le Seigneur. Sois béni, pasteur, docteur Siba, sois béni. Vraiment que le Seigneur vous bénisse pleinement pour votre présence. Je crois qu'il n'y a pas de hasard avec Jésus-Christ de Nazareth. Il est digne, il est merveilleux. Donc j'espère que de là où tu te trouves, tu es déjà en position pour pouvoir honorer ton Dieu. Tu es déjà en position pour pouvoir glorifier le nom du Seigneur. Donc là où tu es, commence à élever la voix vers lui. Tu sais ce qu'il a fait pour toi aujourd'hui. Certainement il t'a étonné, certainement il a frayé un chemin pour ta vie. Donc commence à l'acclamer si tu peux. Commence à l'exalter, l'honorer là où tu te trouves. Et commence à bénir son nom. Il est digne de gloire ce Dieu. Alléluia. On commence dans une minute. Pendant ces 7 minutes, commence à bénir ton Dieu. Commence à l'honorer, l'exalter. Il est digne de gloire, ce Dieu. Je ne sais pas si tu as la joie aujourd'hui, mais que Dieu te communique cette joie. Si tu étais dans la tristesse, que la joie de Dieu te soit communiquée. Parce que cette joie est la force, est ta force. Bonsoir, Stéphanie. La Martinique en puissance. Alléluia. Donc nous allons commencer à élever la voix vers Jésus-Christ de Nazareth. Hey, est-ce que tu peux élever la voix? Est-ce que tu peux élever la voix vers Jésus? Élève la voix, dis Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux. Tu es magnifique Seigneur, tu es glorieux Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que nous pouvons élever la voix ensemble? Il est digne d'adoration. La création, c'est l'adorer, c'est l'exalter. À plus forte raison, nous qui sommes ses enfants. Est-ce que nous pouvons élever la voix? Seigneur, nous te bénissons. Nous te magnifions. Nous t'exaltons. Nous te donnons toute la gloire qui t'est due. Nous voulons te bénir pleinement. Est-ce que tu peux vraiment bénir le nom de Jésus-Christ de Nazareth? Celui qui t'a racheté. Celui qui te bénit chaque jour. Celui qui ouvre les portes pour toi. Celui qui te fait grâce à ton travail. Est-ce que tu peux élever la voix et le bénir, le magnifier, l'exalter, le glorifier, l'honorer? Oh, vraiment, lui donner toute la gloire et la reconnaissance qui lui est due. Quel que soit le lieu où tu te trouves, sache que le Saint-Esprit est déjà au rendez-vous. Et il ne s'agit pas d'une question de personne ou du nombre de personnes qui est là. Mais il s'agit vraiment de ta connexion, de ta disposition de cœur, de pouvoir saisir ce temps, ce moment, pour pouvoir honorer, exalter Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il mérite la gloire, ce Dieu. Élevons la voix ensemble. Père, nous te bénissons, nous te magnifions, nous te rendons toute la gloire, nous te rendons toute l'honneur qui t'est dû. Il n'y a aucun Dieu qui ne soit comme toi. Et c'est pour cela que nous voulons te bénir pour le privilège encore que nous avons d'élever la voix, Seigneur, de pouvoir te magnifier, t'exalter en cette journée, Père, en cette fin de journée ou encore cette soirée pour certains. Et nous voulons te bénir de là où nous sommes, Seigneur. Père, maman, entends le cri de nos cœurs. Entends, Seigneur, le cri de nos cœurs ce soir. Et nous voulons te bénir, Seigneur, quel que soit le
lieu où nous nous trouvons. Est-ce qu'il y a une femme, un homme qui peut élever la voix ce soir ou encore ce matin là où tu te trouves? Et ensemble, nous pouvons honorer le nom de celui qui nous a rachetés, honorer le nom de celui qui nous a justifiés, honorer le nom de celui qui nous a bénis, honorer le nom de celui qui nous fortifie chaque jour, honorer le nom de celui qui nous donne vraiment, vraiment, qui nous fait grâce en chaque instant, en chaque circonstance. Il y a certains qui sont passés à côté de la mort il y a quelques jours, il y a quelques semaines. Il y a ceux vraiment qui ont eu des difficultés, des épreuves, mais malgré tout, tu es encore là. Malgré tout, tu es encore en vie. Il y a certains qui ont eu des soucis au niveau de leur santé. Il y en a d'autres qui ont eu quelques déboires, mais malgré tout, Jésus t'a fait grâce. Donc, ensemble, nous allons élever la voix et nous allons bénir son nom. Nous allons magnifier son nom. Nous allons exalter son nom. Nous allons lui donner toute la gloire qui lui est due. Père, nous te bénissons, nous te magnifions, nous te rendons toute la gloire qui t'est due et nous voulons t'élever, Père. Nous voulons te donner toute la gloire, Papa, parce que tu es digne, tu es merveilleux, tu es glorieux. Nous voulons t'élever, Seigneur, pour le privilège que tu nous accordes de nous tenir en ta présence. Malgré la distance, malgré le nombre de kilomètres, certes, la mer nous sépare, les 8000 kilomètres nous séparent. Vraiment, il y a des distances qui nous séparent, mais malgré tout, Seigneur, tu n'es pas un Dieu de distance, tu n'es pas un Dieu limité par la distance, mais tu es un Dieu illimité. Et c'est pour cela que Jésus, de là où nous sommes, de nos maisons, de nos travails, du lieu où nous trouvons actuellement, nous voulons bénir ton nom. Parce que Seigneur, vraiment, c'est une puissance quand tes enfants sont réunis. Il y a quelque chose qui se passe quand tes enfants sont réunis. Il y a quelque chose qui s'opère quand tes enfants sont réunis. C'est pour cela que, Seigneur, nous voulons encore élever la voix ensemble et dire merci à toi. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu opères dans nos vies. Merci, Jésus-Christ de Nazareth, pour cette grâce que tu nous fais. Merci pour cette grâce que tu opères dans nos vies. Merci pour cette grâce que tu continues, Seigneur, d'accomplir, que tu continues de déverser sur nos vies. Seigneur, nous voulons encore t'exalter, te glorifier, te donner toute l'honneur qui t'est dû. Élève la voix, continue d'élever la voix là où tu es. Ne reste pas la bouche fermée. Certainement, ta journée a été fatigante. Ta journée a été éprouvante. Ta journée a été endurante. Mais Dieu t'a fait grâce. Donc, élève la voix. Ouvre la bouche et bénis son nom. Ouvre la bouche et magnifie-le. Ouvre la bouche et reconnais sa seigneurie. Ouvre la bouche et reconnais sa suprématie. Ouvre la bouche et reconnais qu'il est digne d'adoration, qu'il est digne de gloire, qu'il est digne de magnificence, qu'il est digne d'être élevé, qu'il est digne d'être exalté. Est-ce que simplement tu peux ouvrir la bouche et honorer le nom de celui qui a ouvert un chemin là où il n'y en avait pas pour toi? Est-ce que tu peux simplement ouvrir la bouche et honorer celui-là même qui a gardé tes enfants, gardé tes parents, gardé vraiment ta famille? Est-ce que tu peux élever la voix et bénir son nom? Il est digne d'adoration, ce Dieu. Il est digne de gloire, ce Dieu. Je t'en prie, sors de ton fauteuil. Éteins la télé si tu es devant la télé. Sors de ton confort là où tu es. Si tu t'es assis sur une chaise, sors de cette chaise et mets-toi debout. Commence à fermer les yeux et vraiment, vraiment, sois concentré uniquement sur la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Ne sois pas concentré sur moi, je ne suis qu'un instrument, mais sois concentré uniquement sur l'Éternel des armées, celui qui combat pour ta vie, celui-là même qui te rend fort dans les difficultés. Commence à élever la voix et commence à bénir son nom parce qu'il mérite la gloire. Élève la main, bénis son nom, dis-lui un mot d'amour, dis-lui combien il est bon, dis-lui combien il est merveilleux, dis-lui comment il est, combien il est glorieux, combien il est magnifique, combien il est, les mots sont même trop faibles pour exprimer vraiment sa grandeur, pour exprimer combien il est grandiose, ce Dieu puissant, combien il est bon pour nous, il est miséricordieux. Élève la voix et bénis son nom. Il y a au moins une action qu'il a opéré pour toi, il y a au moins un miracle qu'il a opéré pour toi, il y a au moins une guérison qu'il a opéré pour ta vie, il y a au moins une protection divine qu'il a apportée à ta vie ou à ta famille, il y a au moins vraiment une action qu'il a posée au moins une fois dans ta vie. Ne serait-ce que cela, sois reconnaissante à sa personne, parce qu'il est digne de gloire, il est digne de magnificence. Il est digne, il est digne, il est digne, il est digne. Est-ce qu'on peut encore élever la voix vers lui? Père, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire. Seigneur, maman, de même que tes servantes, ta maman, vraiment, je vois qu'il y a beaucoup de femmes de Dieu qui sont en connexion, beaucoup d'ambassadrices du Seigneur qui sont là. Il y a des hommes également. Maman, que nous puissions ensemble élever la voix. Père, nous te bénissons, te rendons toute la grâce, toute la gloire. C'est un privilège, c'est une grâce, c'est un honneur que nous avons de venir encore en ta présence. Seigneur, beaucoup, Seigneur, ont eu des péripéties, mais nous sommes encore là. Béni soit ton nom pour tout ce que tu opères dans nos vies. Béni soit ton nom pour tout ce que tu accomplis dans nos vies. Béni
soit ton nom, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire encore. Car Seigneur, avant même, Seigneur, vraiment que la terre soit créée, tu avais déjà arrêté ce temps. Seigneur, les personnes qui sont connectées ce soir, tu savais déjà qu'elles seront connectées, Jésus. Et Père, ne permet pas, Seigneur, permet que chacun puisse sortir, chacune puisse sortir différemment dans ce temps de prière. Car Seigneur, je sais que Père, que beaucoup sont fatigués, beaucoup sont découragés, beaucoup, Seigneur, ont eu des déboires de quelle que soit la nature. Beaucoup, Seigneur, vraiment sont pris par les activités quotidiennes et n'ont plus le temps de pouvoir ouvrir la bouche, ne serait-ce que le matin pour dire merci, Seigneur, et n'ont pas le temps d'avoir cette intimité avec toi. Mais Seigneur, nous avons pris ce temps à part pour toi et pour toi seul et uniquement pour toi. C'est pour cela que Jésus nous disait, prends le contrôle en toutes choses et que Seigneur, que là où sont tes enfants, de là où sont tes ambassadrices, tes serviteurs, tes servants, Seigneur, que tu les touches par ton esprit, que Seigneur, vraiment qu'il y ait un réma, Seigneur, qu'il y ait une action de ta part, que cet esprit de Dieu, que tu puisses opérer afin que ton nom seul soit glorifié dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen, 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 amen. On va encore élever la voix. Alléluia. Nous sommes à notre deuxième jour de temps de prière spécial. Pour ceux qui n'étaient pas connectés hier, nous avons dit que ce temps... nous avons fait effectivement un temps de jeûne et prière via Facebook Live et la ligne de prière WRI en novembre-décembre. Et c'est vrai que suite à plusieurs messages, suite à plusieurs... Plusieurs messages via Facebook, des mails que j'ai reçus. Vraiment, l'Esprit de Dieu m'a conduit, m'a inspiré de pouvoir effectivement faire ces trois jours de prière spéciale. Et je crois que si nous sommes là, il n'y a point de hasard. Et que nous puissions chacune saisir notre bénédiction à travers ce temps. Effectivement, vous me voyez pas de façon physique, ce n'est pas grave parce que ce n'est pas ça qui est important, mais c'est que nous puissions être connectés vraiment sur ce temps de prière avec le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Donc nous avons déjà entamé, pour ceux qui sont en connexion, pour ceux qui viennent d'arriver plutôt, soyez les bienvenus. Nous allons continuer dans cette même perspective ce soir. Pour là où il y avait des blocages, là où il y avait des difficultés quelconques, là où il y avait un assoupissement spirituel, là où il y avait une attaque dans le corps, dans les pensées, que vraiment que tout cela s'arrête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ça va être là ce soir notre ligne conductrice, pardon, afin que nous puissions sortir non seulement de cette semaine, de ce mois, puisque le mois est en train de d'avancer à grands pas, et que nous puissions vraiment chaque jour, chaque semaine, chaque mois, être des femmes et des hommes victorieux. Car je crois que chaque jour que Dieu dispose, que nous puissions être en sa présence, que nous puissions être vivants, c'est de façon à ce que nous puissions être des personnes qui marchent dans la victoire, qui demeurent dans la victoire. Mais il est vrai qu'il arrive qu'il y a des situations qui viennent nous freiner dans notre élan, qui viennent nous perturber dans notre marche, qui viennent nous ralentir, qui viennent encore nous arrêter. Mais tout cela doit s'arrêter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc je crois ce soir que si tu es connecté, si tu avais été ralenti dans ton élan, si tu avais été freiné dans ta marche avec le Seigneur, c'est le moment de reprendre ta position, c'est le moment de te repositionner et de reprendre le contrôle de la situation par la prière, dans la présence de Dieu, de façon à récupérer ta victoire et de continuer dans cette victoire. Si effectivement tu avais été complètement arrêté, c'est le moment de ne point regarder à cela, mais de te ressaisir également et de pouvoir vraiment arrêter ce décret, de mettre fin à ce décret de façon à continuer. Parce que tant que tu es là, il y a encore de l'espoir. Même si ta situation ne semblait pas avoir d'issue, même si ta situation ne semblait pas avoir de l'espérance, sache que tant que tu es là, tant que Jésus te donne la possibilité de vivre encore, c'est qu'il y a encore de l'espoir pour toi, c'est qu'il y a encore de l'espérance pour ta vie. Même si les hommes ont dit non, il n'y a pas d'issue, mais sache que Jésus a dit qu'il y a une issue, sache que l'Éternel a dit qu'il y a une solution, sache que malgré les contextes, les limites, les bornes qu'on donne à ta situation, il y a une solution, il y a un mot que le Seigneur n'a pas encore dit, mais il le dira certainement. Donc vraiment, tu vas élever la voix. Nous allons élever la voix ensemble. Nous allons élever la voix ensemble. Tu connais ta situation professionnelle, ministérielle, ta situation séculière, ta situation entrepreneuriale, ta situation financière, ta situation, la situation qui vient semer le trouble, qui vient enlever ta paix, qui vient enlever ta sérénité. Donc nous allons élever la voix par rapport à cette situation.
Et tu vas dire, Seigneur, accorde-moi la paix. Seigneur, vraiment, non seulement tu vas t'accorder la paix, mais tu vas dire, Seigneur, que tout ce qui m'avait arrêté, que tout ce qui m'avait arrêté dans ma marche, dans mon élan avec toi, soit anéanti dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu sais ce qui t'a freiné, tu sais ce qui t'a arrêté, tu sais ce qui t'a ralenti. Tu sais au plus profond de toi-même que tu aurais dû être beaucoup plus loin de ce que tu es actuellement. Tu sais que là où tu te trouves maintenant, quel que soit le domaine, tu sais que tu aurais dû être beaucoup plus loin, mais il y a eu une situation qui est venue t'arrêter ou t'es venue te ralentir, qui est venue vraiment te freiner. Donc tu vas dire, Seigneur, à partir de ce soir, Seigneur, vraiment à partir de ce soir, je prie que tout ce qui m'a arrêté, et tu vas citer ce qui t'a arrêté, que toutes ces situations, que toutes les situations qui sont venues te troubler, te perturber, te freiner, te ralentir, soient arrêtées dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut élever la voix? Est-ce qu'on peut élever la voix? Est-ce qu'on peut élever la voix? Élève la voix, élève la voix, élève la voix, élevons la voix ensemble. Chaque arrêt des bas au socorro. Élève la voix, je t'en prie, élève la voix. Mets-toi en position pour prier spirituellement. Mets-toi en position pour prier. Mets-toi en position pour vraiment pour prendre autorité. On ne prend pas autorité assis. On ne prend pas autorité couché. On ne prend pas autorité non plus vraiment en ayant une position confortable. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Mets-toi sous tes deux pieds que Dieu t'a donné. Et commence à prier. Commence à intercéder pour ta vie. Je peux prier pour toi, mais il est important que tu pries pour ta propre vie. Parce que tu sais ce que tu vis, tu sais par quelle douleur tu passes, tu connais quelle souffrance que tu as, tu connais quelle difficulté qui est devant de toi, tu connais le mur qui est érigé devant de toi, tu connais la persécution par laquelle tu passes, tu connais les flèches qui ont été envoyées contre ta vie, tu connais les paroles de malédiction qui ont été lancées contre ta vie et ta famille, tu connais les oppositions que tu rencontres. Donc il n'y a personne d'autre qui peut se lever comme toi, qui n'y a personne d'autre qui peut se lever en prière avec autorité et qui peut défendre sa situation. Donc élève la voix et prie ensemble. Élève la voix. Choke robo shaka rabababa. Ye redeba au sante heleba yaraka choke robo seke. Ye robo soko robo shaka rabayaraka sante ke. Ye rataka yeleba sante ke leba sante. Femme de feu prie. Femme de prière prie. Femme, lève-toi. Homme, peuple de Dieu, peuple de foi, peuple de Dieu, élevons-nous et prions. Choke robo soko robo shaka yelekete. Ye robo soko robo shaka rabababa. Père, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire, Seigneur. Car je crois que, Seigneur, qu'il y a un brasier de feu qui commence à s'allumer dans certaines maisons ce soir, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Saint-Esprit de Dieu, tu connais, Père, Seigneur, la situation de chaque personne qui est présentée devant de toi ce soir, qui est en train de monter vers toi ce soir. Entends le cri de tes enfants. Entends le cri de tes servantes. Entends le cri de tes fils, Père. Entends leur cri ce soir. Tu connais, Seigneur, ce qui a freiné ou alterné ou Seigneur, arrêtez quel que ce soit. Que Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses venir en aide à quel que ce soit. Seigneur, il y a quelqu'un qui est debout dans sa maison, qui est en train d'intercéder. Il y a quelqu'un qui est debout dans sa maison, qui est debout dans son travail, qui est debout quelque part, qui est intercédé par rapport à sa situation conjugale, par rapport à sa situation de ministère, par rapport à sa situation, Saint-Esprit de Dieu, professionnel, par rapport à sa situation de formation, par rapport à sa situation financière. Que là, Saint-Esprit, où il y avait, Père, des blocages quelconques, quelle que soit l'origine, quelle que soit le type, Seigneur, que Père, Seigneur, que tu puisses consumer toute flèche, tout cœur enflammé de l'ennemi, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Seigneur, que ceux qui opposaient l'avancement d'un homme ou d'une femme, Seigneur, qui te sert, que Seigneur, que toute opposition soit bannie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute opposition soit brisée dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux continuer à prier? Est-ce que tu peux continuer à lever la voix par rapport à ta vie, par rapport à tes études, par rapport à ton travail, par rapport à ton ministère, par rapport à ton foyer? Élève la voix. Chaque arrêt de basse, y est arrêt de basse santé, que chaque de basse santé. Oh, rataka y est que chaque le bosse, que le bosse chaque la bagarre, que chaque le bagarre que t'es. Seigneur, enlève toute opposition devant de la route de tes enfants. Enlève toute opposition. Tu sais, tu connais ceux qui ont crié à toi. Tu connais, Seigneur, ceux qui sont en difficulté. Tu connais, Seigneur, ceux qui sont dans des situations et ne comprennent pas. Que, Seigneur, ils sont en train de crier à toi. Nous sommes en train de crier à toi par rapport à des situations précises. Des situations, Seigneur, que nous sommes en train d'exposer devant de toi. Que t'aimes les armées. Toi qui combats pour nos vies. Toi qui combats, Seigneur, pour la vie de tes enfants, que tu puisses élever ton,
mandat et démontrer que tu es Dieu. Moïse, face à l'adversité, a dit, comment sont-ils que tu es avec moi? Comment sont-ils que tu es avec moi? C'est vrai, il devant l'adversité, nous devons voir la gloire de Dieu. Il faut les preuves pour qu'on puisse savoir que Dieu est avec nous. Que Seigneur, démontre ta gloire dans les situations qui te sont présentées. Démontre que ta seigneurie dans les situations qui sont présentées. Démontre que tu es Dieu, que tu es puissant, que tu es glorieux, que tu es avec tes enfants, que tu es avec tes fils, que tu es avec tes filles. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, éternel. Oh Seigneur, vraiment, ouvre le chemin là, il n'y en a pas. Seigneur, conduis quelqu'un dans tes pas. Conduis quelqu'un, Seigneur, vers une solution. Conduis quelqu'un, Seigneur, vers une stratégie. Conduis quelqu'un, Saint-Esprit de Dieu. Conduis quelqu'un, Choco Robo Chaka Redeba Sakaraba Yarakata. Et Robo Choco Robo Chekiriba Soko Robo Yarakasa. Et Redeka Rata Karaba Cheke Redeba Soko Robo Chate. Je t'en prie, élève la voix, élève la voix. Élève la voix, Choco Robo Sikiriba Sante Seigneur, merci. Parce que tu agis. Tu continues d'agir, Seigneur. Merci pour toute opposition que tu enlèves. Merci pour toute crainte que tu enlèves. Merci pour toute angoisse que tu enlèves. Merci pour toute peur que tu enlèves. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Choco Robo Cheke. O Robo Sakara Baba Baba. Soko Robo Chante Ke Sante. Nous allons encore élever la voix. Amen, 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 amen. Nous allons encore élever la voix. Nous allons prier, prier pleinement. Nous allons élever la voix. Que là où la sorcellerie est en train d'agir, de près comme de loin dans notre environnement, que toute œuvre de la sorcellerie puisse être anéantie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu vas prier, nous allons prier dans ce sens, que là où l'ennemi agit par toute forme de sorcellerie, que vraiment que cela soit brisé, soit anéanti, que vraiment que cela ne puisse point t'atteindre plutôt, ne point atteindre ton environnement, atteindre ce que tu es en train de préparer en secret en tant que projet, mais que les œuvres de l'ennemi soient démasquées et que Dieu puisse combattre pour toi, que les ténèbres puissent combattre pour toi comme il a combattu pour Israël, que les ténèbres puissent continuer à combattre pour toi comme il a combattu quand tu es passé à côté d'un accident et que tu as vu ta vie se défiler devant de toi et tu as pensé même que tu allais mourir. Tu vas vraiment demander à Dieu de combattre pour ta vie, comme il a combattu pour toi quand tu as passé tes examens. Tu vas demander à Dieu de combattre pour toi, comme quand tu as été malade, Dieu t'a opéré la guérison dans ta vie. Tu vas demander à Dieu de combattre pour toi et que tu vas prier que toute œuvre de la sorcellerie soit vouée à l'échec total dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que nous pouvons élever la voix dans ce sens? Élevons la voix, élevons la voix. Choco robo, choco robo, shakara bababa. Yere le bao, soko robo, sheke le ba, yere ke sante ke. Yere robo, shakara bababa, soko robo, shente. Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Oh, choco robo, saka, la baba, 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 la soco robo, cheke. Père, nous te bénissons, nous te rendons la gloire, nous te bénissons, nous te rendons toute l'honneur qui t'est dû. Alléluia. Nous te donnons tout l'honneur qui t'est dû. Tu es merveilleux, tu es glorieux. Nous prions que toute œuvre de la sorcellerie, Père, soit anéantie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que là où l'ennemi agissait de façon, Seigneur, de façon subtile ou pas, nous prions que tout autel qui parlait contre nous soit consumé par ton feu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute flèche, que toute enflammée de l'ennemi soit consumée par ton feu. Au nom de Jésus. Que toute œuvre de la sorcellerie, Seigneur, Seigneur, d'origine connue ou inconnue, nous paralysons tes œuvres dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous paralysons tes œuvres. Nous paralysons tes œuvres maintenant, au nom de Jésus. Tout ce que l'ennemi est en train de programmer comme accident, incident, tout ce que l'ennemi est en train de programmer, Seigneur, afin de créer la défaite, l'échec, que ces œuvres soient anéanties maintenant, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces œuvres soient vaincues par la puissance du nom de Jésus. Que là où l'ennemi agissait, donc par des incantations, par des paroles cabalistiques, par des projets néfastes à notre encontre, à l'encontre de notre famille, nous dénons nos robots chacun, nous déprogrammons ses œuvres, nous déprogrammons ses œuvres, au nom de Jésus, nous déprogrammons ses œuvres, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au robot chacun, reba aussi, liba yereketé, iliba aussi, au robot chacun, rababa, oh, lève-toi et prie par rapport à ta vie, lève-toi et prie, détruis les œufs de la sorcellerie dans ta vie, détruis les œufs de la sorcellerie autour de toi, détruis les œufs de la sorcellerie par rapport à ton foyer, par rapport à ta famille, par rapport à ta situation civile, par rapport à ta situation de ministère, détruis les œufs de la sorcellerie qui ont agi
agis et que soit en train de continuer d'agir dans, ta, dans ton environnement. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Choco robo chakala baba baba. Ye redema au soco robo cheke le baya la ka soco robo che. Ye rataka yele ke soco robo choco robo sante. Nous anéantissons toute œuvre. Nous anéantissons tout cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous anéantissons cela au nom de Jésus. Nous anéantissons toute œuvre de l'ennemi qui agirait. Tout ce qui était projeté, tout ce qui était programmé. Là, il y avait un décret qui disait qu'il y aurait la mort physique. Nous anéantissons tout décret de mort dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout décret de mort physique, tout décret de mort spirituel, tout décret de mort qui a été lancé sur nos vies, lancé dans notre foyer, lancé dans nos ministères, lancé dans notre vie professionnelle. Sois anéanti, sois anéanti, sois anéanti au nom de Jésus. Chaka rataka, yereba sakala baba, yerobo shoko robo shekereba, osante kereba yera kase. Oh yes. Nous allons prier, voilà. Amen, 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 amen. Que nous restions connectés. Nous prions, nous prions, nous prions. Nous allons continuer à prier. Pendant que je priais, vraiment, j'ai une vision claire. Il y a des personnes qui sont atteintes par une mort. Vous savez, la mort n'est pas forcément physique. Il y a la mort physique, certes. C'est la résultante d'un processus qui a été entamé depuis des jours et des jours et des mois, voire des années. Mais quand un homme arrive à une mort physique, c'est qu'il y a une mort spirituelle qui a été mise en processus au préalable. Donc, tu vas prier par rapport à ta vie. Il y a des domaines de ta vie qui ont été frappés par la mort. Ta vie de prière n'est plus ce qu'elle est. Ta vie de jeûne et de méditation n'est plus ce qu'elle est. Tu n'arrives même pas à rester une heure ou une demi-heure dans la présence de Dieu. Tu n'arrives même pas à méditer comme il se doit. Il y a un domaine de ta vie qui a été frappé par une mort. Mais il est temps que ce décret de mort s'arrête au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi-même, tu as un fardeau pour ta nation. Et tu sais très bien qu'il y a le sang qui coule dans ta nation. Il y a la violence qui s'accroît dans ta nation. C'est qu'il y a un décret de mort qui a été lancé sur cette nation. Donc il est temps que ce décret s'arrête. Ce décret s'arrêtera comment? Il faut que toi-même tu sois une flamme de feu pour que ce décret s'arrête. Donc il faut que tu prennes autorité. Yes. Donc tu vas élever la voix. Tu connais les domaines de ta vie qui ont été frappés par la mort. Et tu vas révoquer ce soir tout décret de mort. Tout décret de mort dans ton ministère, dans ton foyer, dans ta vie intime, dans ta vie spirituelle, dans ta vie conjugale, dans ta vie financière, dans tout domaine de ta vie où tu sais que la vie n'existe plus. Tu vas demander à ce décret, tu vas déclarer que ce décret s'arrête dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a des personnes aujourd'hui qui vivent, qui sont mariées. Il y a plus rien qui se passe de façon intime. Il y a plus de relation. Il y a une mort quelque part. Au point qu'il y a quelque chose qui se passe spirituellement. Donc on va prier ce soir que tout décret de mort soit anéanti dans le nom de Jésus. Que là où tu sentais une oppression, toi qui sens une oppression ce soir, il y a quelqu'un qui est en ligne, qui sent une oppression sur sa tête. Là tu es connecté, tu es là, tu sens une oppression sur ta tête pendant que tu es dans ce temps de prière. Tu vas mettre ta main droite sur ta tête et tu vas déclarer que tout décret de mort sur ta vie soit anéanti dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toi aussi qui as vu que dans ta famille, les gens meurent petit à petit. Tes parents sont morts. Les gens de ta famille meurent petit à petit, un après l'autre. Comme si on doit éliminer cette famille. Prie, je t'en prie. Prie pour que ce décret de mort soit arrêté dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élevons la voix. Choco robo sakala baba. Yere de ba ou sante ke choco robo sakala ba yere ke se. Yere ataka yere ke choco robo sakala baba. Seigneur, nous élevons la voix. Que là où la mort avait frappé une vie, Seigneur. Que là où la mort avait frappé, Seigneur, un domaine de notre vie. Que la mort, Seigneur, que les œuvres de la mort soient anéanties dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que là où la mort avait frappé nos vies, nos ministères, nos foyers, avait frappé un domaine coton de notre vie. Nous anéantissons tout décret maléfique de mort. Tout décret de mort soit anéanti maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que là où la mort, c'était, Seigneur, il y avait un décret qui parlait, Seigneur, en tant que mort physique ou mort spirituelle. Nous paralysons, nous anéantissons ce décret. Nous anéantissons à extermination totale ce décret. Nous réduisons à néant. Nous réduisons à l'impuissance totale. Tout décret, contre nos vies, contre nos foyers, contre nos familles, contre nos ministères, contre notre vie professionnelle, contre nos vies, dans chaque domaine d'entre nous, réduisons à l'impuissance totale. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous réduisons maintenant à l'impuissance totale tout décret de mort dans nos vies, dans tout
tout domaine de notre vie au nom de Jésus. Chakara bababa. Yereba au sokorobo chanteke. Chekereba au sokorobo chanteke. Oh robo chakaraba santeke. Que Père, que toute personne qui est sous une oppression quelconque ce soit, quelqu'un qui est sous une oppression quelconque ce soit, que tu puisses, Seigneur, opérer, Seigneur, tu puisses désactiver ce processus d'oppression dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Désactive ce processus d'oppression dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car, Seigneur, que quand qui parle d'oppression, parle de dépression par la suite, que cet esprit de Dieu, que, Seigneur, le décret qui avait été proclamé sur la vie de quelqu'un ce soit pour dire, Seigneur, qu'il sera fou, qu'elle sera folle, que cela soit arrêté dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que les larmes de tout ce qui avait été déclaré sur ta vie, afin qu'on déclare que tu seras fou, ou tu seras folle, cela soit arrêté au nom de Jésus. Shekere baba baba sokorobo chante, yere de bao sokorobo shakara baba baba sokorobo chante kese. Oh alléluia, 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 alléluia. Est-ce que tout le monde est là? Est-ce qu'il y a une femme de feu qui est là? Est-ce qu'il y a un homme de feu qui est là? Si tu es là, mets un like. Est-ce qu'il y a un homme ou une femme de feu qui est là? Est-ce qu'il y a un peuple de Dieu en feu qui est là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est rempli du feu du Saint-Esprit qui est là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Est-ce qu'il y a un homme de feu qui est là? Est-ce qu'il y a une femme de feu qui est là? Peuple de Dieu, est-ce que tu es là? Shoko Robo Shaka. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Alléluia. Alléluia, alléluia. Il n'y a qu'une femme de feu. Oh, il y a deux femmes de feu. Vous êtes où les autres? Il y a Sandra, la servante Sandra, il y a Pasteur Jemima, les autres personnes de feu, vous êtes où? Alléluia. Chokoro vous chantez. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Femme de feu Stéphanie, alléluia, alléluia. Alléluia. Il faut saisir, alléluia. Je crois que tu veux passer une autre dimension avec le Seigneur et que tu ne veux pas rester sur la touche en cette année. Tu vas demander le feu de Dieu. Alléluia. Tu vas demander le feu de Dieu. Que tu vas demander à Dieu qu'il intensifie son feu dans ta vie. Qu'il intensifie son feu dans ton ministère. Qu'il intensifie son feu dans la responsabilité que tu as au niveau de ton assemblée, au niveau de ton église locale, au niveau de ton ministère. Que tu vas demander le feu de Dieu. Vous savez que quand on parle de feu, on parle de puissance. Et on voit que les langues de feu sont descendues dans la chambre haute à la Pentecôte. C'était la puissance de Dieu qui se manifestait. Alléluia. Donc, nous voulons voir le réveil. Nous voulons voir des changements dans nos vies, dans nos foyers, dans nos maisons. Mais il est important que nous-mêmes, nous soyons des flambeaux de feu, que nous soyons des brasés de feu. Il est important que nous-mêmes, que nous puissions vraiment véhiculer la puissance de Dieu. Et cela, ça passe par toi, ça ne passe par moi, ça ne passe par nous. Alléluia. Donc, tu vas élever la voix. Nous allons élever la voix ensemble. Nous allons élever la voix ensemble. Et nous allons réclamer le feu de Dieu. Le feu de Dieu dans nos vies, le feu de Dieu dans les domaines de nos vies, le feu de Dieu dans ce à quoi Dieu nous appelle. Tu sais très bien que tu as une mission à accomplir sur cette terre. Tu es conscient que tu as une mission à accomplir sur cette terre. Tu as besoin de la puissance de Dieu. Tu as besoin vraiment que le Seigneur t'utilise en tant qu'instrument pour se mouvoir. Oh my God, pour flow, pour bouger dans l'onction, pour bouger dans la puissance de Dieu. Donc vraiment, nous allons prier ensemble, nous allons dire Seigneur, vraiment, remplis-moi de ton feu, remplis-moi de ton esprit. Que toi-même, tu sais si tu es rempli, si tu es vide, si tu as un quart, si tu as trois quarts, si tu es 100% full, 100% rempli, tu le sais, devant Dieu, tu le sais. Donc tu vas prier vraiment que Dieu puisse te remplir, qu'il puisse te remplir, mais te remplir pas à moitié, ni un quart, ni à trois quarts, ni à deux quarts, mais qu'il te remplit totalement. Te remplit totalement. Parce que je crois que ton témoignage, je crois que ton parcours est un témoignage pour plusieurs au dehors. Ton parcours est un témoignage pour plusieurs qui passent par la même situation, qui par la même situation par laquelle tu es passé il y a des années ou il y a quelques temps. Ton parcours est un tremplin pour aider une vie. Ton parcours est une solution à quelqu'un. Ton parcours est une aide à quelqu'un. Ta situation, ce que tu as vécu, les situations que tu pensais qui t'auraient détruit, mais qui fait qu'aujourd'hui tu es
encore là, est un témoignage, est une grâce, est une même pas une option, mais est un déclic, est un pivot pour aider quelqu'un à sortir là où il est, à sortir de là où elle est. Donc je te prie, tu as besoin du feu de Dieu. Tu as besoin du feu de Dieu. Nous avons besoin de ce feu. Donc nous allons élever la voix. Nous allons prier pleinement que l'Éternel des armées puisse nous remplir de ce feu. Parce que je crois que si Dieu encore te fait grâce, si encore tu es là, c'est que tu as quelque chose à communiquer à un homme, à une femme. Ne serait-ce que ton témoignage peut sauver une vie. Ton témoignage peut sauver plusieurs. Ton témoignage peut sauver une nation. Ton témoignage peut sauver une nation auquel tu n'aurais jamais pensé. Donc il est important que tu aies le feu de Dieu. Alléluia. Donc nous allons prier en ce sens ce soir. Que vraiment là où tu te trouves, que Dieu te remplisse, que tu puisses déborder de sa grâce, de sa puissance dans le nom de Jésus. Élevons la voix ensemble. Élevons la voix. Choco robo sakara baba baba. Ye redeba o soko robo shekere ba ya la kaseke. Ye rataka ye le ke soko robo shikiri baus. Ye redeba o soko robo shikiri ba ye le ke sante. Ye rataka redeba o soko robo sho. Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui peut lever la voix ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut prier pour réclamer le feu de Dieu, pour réclamer la puissance de Dieu dans sa vie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se mettre debout, sortir de son confort et demander à l'Esprit de Dieu de le remplir? Tu sais que tu devais être notre dimension, notre niveau. Réclame à l'Éternel des armées de te remplir. Tu as besoin de ce feu. La Bible dit que quand l'Esprit de Dieu est descendu dans la chambre haute au temps de la Pentecôte, que vraiment les langues de feu sont descendues sur les disciples. Et on voit qu'à partir de cet instant précis, ils ont bouleversé des nations. Ils ont bouleversé des vies. Ils ont été utilisés comme des instruments afin de marquer leur génération. Jusqu'après 2000 ans, on voit que nous prenons leur exemple. Nous utilisons leur histoire comme exemple. Donc, tu as besoin du feu de Dieu pour marquer ta génération. Tu as besoin du feu de Dieu pour pouvoir mouvoir la puissance de Dieu. Tu as besoin du feu de Dieu pour pouvoir aider quelqu'un à sortir d'une situation quelconque. Tu as besoin du feu de Dieu afin que non seulement l'Esprit de Dieu te guide, mais que tu puisses vraiment délivrer le message que Dieu t'a donné. Parce que tu peux avoir un message, mais si tu n'as pas le feu de Dieu, ton message n'aura pas d'impact. Donc, tu as besoin de ce feu. La Bible dit que quand les disciples sont sortis de la chambre haute, il y a eu un impact dans les villes, il y a eu un impact dans les nations, il y a eu un impact dans les pays. Donc tu as besoin de ce feu, tu as besoin du feu du Saint-Esprit. Donc élève la voix de là où tu es et réclame le feu de Dieu. Réclame le feu de Dieu. Dis Seigneur, remplis-moi jusqu'à déborder de toi. Remplis-moi jusqu'à déborder de toi, Seigneur. Car je vais marquer mon temps, je vais marquer ma génération, je vais marquer, Seigneur, je vais marquer mon temps en ton nom. Car Seigneur, tu as fait de moi un instrument. Et Seigneur, je veux que tu m'utilises en tant qu'instrument. Mais cet instrument a besoin d'être rempli de feu. Donc est-ce que toi, enfant de Dieu, est-ce que toi, femme de Dieu, est-ce que toi, fils de Dieu, tu peux lever la voix et dire, Seigneur, remplis-moi, remplis-moi. Les gens ont besoin d'entendre mon témoignage. Les hommes ont besoin d'entendre mon témoignage. Les politiques ont besoin d'entendre mon témoignage. Les couches sociales ont besoin d'entendre mon témoignage. Les hôpitaux ont besoin d'entendre mon témoignage. Les ghettos ont besoin d'entendre mon témoignage. Ceux qui sont dans les ghettos, les délinquants, les jeunes, ils ont besoin d'entendre ton témoignage. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, remplis-moi, 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 remplis-moi jusqu'à déborder de toi. Remplis-moi pour la mission. Remplis-moi pour cette nation. Remplis-moi, Seigneur, car beaucoup ont besoin d'entendre parler de toi. Beaucoup ont besoin de voir, Seigneur, ta puissance se manifester. Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui peut élever la voix et dire, Seigneur, remplis-moi pour la mission que tu m'as donnée. Remplis-moi, Seigneur, par rapport à la promesse qui est rattachée à ma vie. Remplis-moi par rapport au ministère, Seigneur. Remplis-moi, Seigneur, car je suis affaibli de moi, tu m'as choisi, Père. Oh my God. Oh my God. Jésus ne t'a pas bippé, mon frère. Jésus ne t'a pas bippé, ma soeur. Jésus t'a appelé. Jésus nous a appelé. Donc il est important que tu réclames ce feu. Ne sois pas sur la touche. Ne permets pas que 2017, tu sois encore sur la touche. Il y a un collègue à qui tu dois apporter la parole de Dieu. Il y a une femme, un homme qui vit dans ton entourage à qui tu dois apporter la parole de Dieu. Il y a quelqu'un qui est en train de mourir, qui est en train de se morfondre dans sa situation, qui est prêt même à se suicider, qui doit entendre cette parole à travers ta vie. Mais tu as besoin du feu de Dieu. Donc réclame le feu. Réclame le feu. Réclame le feu. Réclame le feu. Maintenant, maintenant, maintenant. Seigneur, on a besoin de ton feu, Seigneur. We need your power, Jesus. We need your power.
full Jesus. We need your anointing Jesus. On a besoin de ton onction Seigneur. On a besoin d'une touche spéciale de ta part. De même que nous sommes ensemble, quel que soit le lieu où nous sommes actuellement Jésus, nous réclamons ton feu. Nous réclamons ton feu dans nos vies. Car Seigneur, nous savons que tu veux nous utiliser. Seigneur, vraiment, il est temps que Père, que plusieurs sortent de leur cachette. Qu'ils sortent Seigneur de leur cachette. Car Seigneur, tu es en train de lever une armée. Tu es en train de lever plusieurs personnes Jésus-Christ de Nazareth afin de proclamer ta parole. Seigneur, il y a des choses qui sont déjà en train de se produire. Mais tu as besoin que nous puissions être remplis de ce feu. Remplis de ce feu. Remplis de cette puissance. Afin qu'on sache que tu es Dieu. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Tu es celui-là même qui n'a point changé. Tu es le Dieu qui a accompli encore des miracles. Tu es le Dieu qui a accompli encore des prodiges. Tu es le Dieu qui guérit les paralytiques. Tu es le Dieu qui guérit les cancéreux. Tu es le Dieu qui guérit les sinéens. Tu es le Dieu qui guérit toute maladie déclarée par les médecins incurables. Tu es le Dieu qui fait pousser les pieds. Tu es le Dieu qui fait pousser les jambes. Tu es le Dieu qui accomplit des miracles au-delà de l'entendement humain. Que Jésus-Christ de Nazareth, tu n'as pas changé. Tu es le Dieu qui guérit les paralytiques, les aveugles. Tu es le Dieu, Seigneur, que quand tu es quelque part, Jésus, que ta présence est quelque part, Père, tu démontes ta suprématie, tu démontes ta royauté, tu démontes que tu es Dieu, Jésus. Seigneur, entends le cri de chacun ce soir, entends le cri de chaque homme, chaque femme ce soir, qui, Seigneur, qui veut te servir, qui veut voir ta gloire dans sa vie, qui veut voir ta gloire, que tu veux, qui veut que tu l'utilises comme instrument, que Seigneur, tu puisses remplir un homme, une femme de ton feu ce soir, remplir quelqu'un de ton feu ce soir, remplir quelqu'un de ton feu ce soir, remplis, Seigneur, remplis, Jésus, remplis, Père, parce que, Seigneur, beaucoup, beaucoup ont besoin de ce feu, beaucoup ont besoin de ce feu, Père, pour déplacer, Seigneur, pour agir en ton nom, pour agir en ton nom, Seigneur, remplis un homme de ce feu, remplis une femme de ce feu ce soir, même s'il est à la maison, même s'il est dans la voiture, même si, Seigneur, il est dans sa chambre ou dans le salon, ce n'est pas une question de personne, il ne s'agit pas de moi ce soir, mais il s'agit du Saint-Esprit, oh my God, chocorobo chakara dakayele basso corobo cheke, hey! Dieu Jésus t'a rempli de son feu. Choco robo chakara baba. Yere de bao soko robo chakara baba. Yere de bao saka yere ke choco robo sekere ba yaraka. Yere de bao soko robo chote. Seigneur, rempli, 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 rempli. Rempli quelqu'un qui réclame ce feu ce soir. Rempli quelqu'un qui veut te servir ce soir à une autre dimension. Une dimension supérieure. Rempli quelqu'un, Seigneur, qui veut passer une autre dimension supérieure avec toi. Rempli, Seigneur, quelqu'un. Seigneur, quelqu'un qui enseigne, oh robo chat. Qui en sait de la mission, c'est de la Bible, qui n'arrive pas à accoucher Jésus. Seigneur, remplis quelqu'un de ce feu, Père. Il y a tellement d'âmes qui meurent. Il y a tellement d'âmes, Seigneur, qui ont besoin d'entendre parler de toi, Seigneur. Il y a tellement d'âmes qui ont besoin de restauration. Tellement d'âmes qui ont besoin, Seigneur, de solution. Que, Seigneur, tu puisses remplir tes enfants de ton feu ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shake it about. Seigneur, merci. Parce que tu remplis plusieurs ce soir. Tu remplis Jésus. Tu remplis, Seigneur, tu remplis, tu remplis, tu remplis. Tu remplis quelque chose. Merci parce que tu remplis quelqu'un. Alléluia, 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 alléluia. Choco robo santé. Nous allons encore élever la voix. Nous allons encore élever la voix. Tu vas prier, vraiment, 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 vraiment. Tu vas prier vraiment comme oh robo shaka rababa santé. Choco robo chante que les bas sont que. O robo choco robo chakaraba santé. Yere de bas soco robo chante que. Oh, élève la voix, élève, que ceux qui prient en langue puissent prier en langue. Si tu es baptisé du Saint-Esprit, est-ce que tu peux élever la voix là où tu es? Élève la voix, élève la voix, élève la voix. Si tu es baptisé du Saint-Esprit, commence à élever la voix, commence à prier en langue, commence à prier en langue, commence à prier en langue, je t'en prie. Commence à prier en langue. Si tu es baptisé du Saint-Esprit, commence à prier en langue. Si tu n'es pas baptisé du Saint-Esprit, commence à élever la voix vers ton Dieu. Commence à élever la voix vers ton Dieu et demande le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Le Seigneur est capable de le faire. La dernière fois que nous avons fait le 40 jours de jeûne et de prière via Facebook Live et la ligne de prière en décembre dernier, on a eu des témoignages des gens qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit pendant ce temps-là via Facebook. Via Facebook. Donc, pour vous dire que l'Éternel n'est pas un Dieu qui est limité. L'Éternel n'est pas un Dieu qui est arrêté par la distance ni par le nombre de kilomètres. Il est capable, si tu es disposé réellement, il est capable de te baptiser du Saint-Esprit. Alléluia. De là où tu te trouves actuellement, simplement. Donc, vraiment, que ceux qui prient en langue, que nous puissions prier en langue, nous allons élever la voix vraiment vers le Seigneur en priant en langue. Ceux qui ne prient pas en langue, vraiment, nous allons nous prier pour que Dieu vous baptise du Saint-Esprit là où vous êtes. Vraiment, ceux
qui ne sont pas encore baptisés, prie dans ce sens, vraiment, prie dans ce sens, prie dans ce sens, et ne bloquez pas, parce que des fois, quand on n'est pas encore baptisé du Saint-Esprit, on a tendance à bloquer, parce que donc, on veut comprendre ce qu'on veut interpréter, on veut comprendre ce qu'on entend, qu'on entend la langue étrangère. Donc vraiment, que tu laisses Dieu te baptiser du Saint-Esprit, alléluia. Donc vraiment, que nous puissions élever la voix, prions en langue, prions en langue, prions en langue. Est-ce qu'on peut prier en esprit, bombarder en esprit? Est-ce que nous pouvons bombarder en esprit, mets-toi debout et bombarde en esprit, en langue, alléluia. Chaka redebaosa, ye redebaosa, ka redebaosa, ka take, ye robo shaka taka, ye reko soko robo shoko reba yerakata, ye redebaosa, teke sheke reba yerakata, o robo shoko robo shiki reba yerakate, ke redebaos, ye robo soko robo shiki reba yerakata, ye redebaosa, ka la ba, ye redebaosa, ka taka, ye robo soko robo she, ye rataka, ye reka soko robo shoko robo se, ye redeba yeraka soko robo shiki reba yeraka soko robo she, ye redeba yeraka soko robo shoko robo ye reka sante, pri, shoko robo shoko robo ye reka taka ye reka sante, ye redeba yeraka soko robo shiki reba yeraka, ye redeba saka taka, ye redeba shoko robo ye reka sante ke, o robo saka riba yeraka soko robo ye reka ta, ye redeba yeraka soko robo seke reba ye rekete, ye redeba saka ba, ye redeba soko robo saka la ba, ye redeba soko robo shikiri ba ya la kasa, élève la voix, pri, soko robo chanteke. Choco robo saka ba soko robo cheteke ye reba saka robo soko robo chekele ba yaraka. Pendant que tu es en train de prier, il y a des chaînes qui sont en train de tomber, il y a un mouvement dans l'esprit là où tu te trouves, il y a un mouvement dans l'esprit dans ta chambre, dans ta maison, il y a un mouvement dans l'esprit autour de toi là où tu te trouves. Choco robo saka yarakata ye reba soko robo chanteke ye reba saka reba ye loko choco robo sante. Pendant que tu pries, l'esprit de Dieu est en train d'agir dans ton environnement, d'agir là où tu te trouves, que d'agir dans ton corps actuellement. Shake reba ou soko robo shaka la baba. Shake robo shoko robo soko robo yela kataka. Ye reba saka riba yere ke soko robo sante. Ye reba ou soko robo shiki riba yera ka soko robo sante. Ye rataka ye reba ou soko robo sante. Seigneur, je prie pour quelqu'un ce soir qui est connecté. Seigneur, de même que nous sommes en train de prier ensemble de cœur uni. Seigneur, je prie pleinement pour quelqu'un qui est connecté ce soir. Que toute chaîne qui t'environnait, que toute chaîne qui te tenait en captivité soit brisée dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Que toute chaîne qui te retenait en arrière soit anéantie au nom de Jésus-Christ Nazareth. Toute oppression, au robo chakarataka, que toute oppression soit anéantie dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Toi qui t'es maintenu en captivité, captivité de la peur, oh my God. Toi qui étais dans une prison de la peur, prison de l'angoisse, prison du stress, que Dieu te libère de cette prison, que Dieu te libère de la prison du stress, que Dieu te libère de la prison de l'angoisse, que Dieu te libère de toute prison de l'oppression, que Dieu te libère tout lien et te libère de cette prison au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au robo chaka, que Jésus te libère de la prison de la peur au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu te libère de toute prison de la masturbation au nom de Jésus, que toute prison de la masturbation qui te tient captive depuis des années, que Dieu libère ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Choco robota, yé riba ou soko robo chaka, yé rataka, yé riba ou soko robo chaka, que toute prison par laquelle tu t'es maintenu, par laquelle tu t'es retenu, que Dieu te libère au nom de Jésus, right now, maintenant au nom de Jésus. Shakaraba soko ye redebaus shake redebaus soko robo shaka, que Dieu libère ta vie maintenant, que tu te délivres maintenant, que Dieu opère ta délivrance maintenant. Seigneur, tu l'as fait dans les temps passés et je crois que tu es encore capable de le faire. Ce ne s'agit pas de moi, mais il s'agit de toi, Saint-Esprit. Seigneur, tu as délivré des gens la dernière fois, Père, qu'on avait eu ce temps de prière et de jeûne via ce même réseau social. Et je crois que tu es encore capable de le faire, Père. Seigneur, merci parce que tu libères quelqu'un de toute oppression ce soir.
de toute peur, de toute prison de la peur, de toute prison, Seigneur, vraiment de la dépression également, que toute prison de la dépression soit ouverte et que te libère maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tu agis dans la vie de quelqu'un ce soir. Tu agis dans la vie de quelqu'un ce soir. Tu agis dans la vie d'une famille ce soir. Tu agis dans la vie d'une famille, dans la vie de Sandra, dans la vie de toute personne connectée ce soir. Tu libères quelqu'un ce soir. Tu libères un enfant ce soir. Tu libères le fils ou la fille de quelqu'un ce soir. Tu libères l'enfant de quelqu'un ce soir. Tu libères, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Tu libères, Seigneur, quelqu'un de la délinquance. Tu libères quelqu'un, Seigneur, vraiment de mauvaise compagnie. Tu libères un homme, une femme ce soir qui l'empêche de courir avec toi dans le nom de Jésus. Tu libères quelqu'un de la colère ce soir. Tu libères quelqu'un, Saint-Esprit de Dieu, de toute semence qui n'est pas de toi. Tu libères quelqu'un qui a besoin d'une, Seigneur, d'une libération dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu libères quelqu'un d'une maladie ce soir. Maladie hormonale. Toi, Seigneur, que le médecin par excellence, toi qui as créé le corps, tu connais le corps dans les moindres détails. Que, Seigneur, tu puisses libérer quelqu'un maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu libères. Tu libères Jésus. Oh my God. Shokorobo shakara bababa. Yereba osokorobo shekiriba oyoroko sante. Seigneur, merci parce que tu libères quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Shokorobo soko. Korobo shakara bababa sante. De tout complexe d'infériorité, de tout manque d'assurance, tu libères quelqu'un au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shekeraba sante. Shokorobo sokorobo shaka. Oh merci Seigneur, merci Jésus, merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, on va élever la voix encore. Amen, 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 on va élever la voix. Alléluia. Il y a des personnes qui ont des projets pour cette semaine et pour les semaines à venir, où tu as déjà un projet qui est en cours, mais tu rames pour accomplir ce projet ou ces projets. Tu es en train de ramer. Ce qui est possible en une semaine, ça fait déjà 3 semaines que tu es dessus. Ça fait déjà 4 semaines que tu es dessus, voire plus. Ou tu as un dossier qui est en cours, qui perdure, qui prend du temps. On va prier que vraiment que cela soit arrêté dans le nom de Jésus. Que Dieu puisse poser sa main. Que l'Éternel envoie ses anges pour venir enlever tout individu qui bloquerait ce dossier de part et d'autre. Alléluia. Mais que Dieu attire toute personne qui pourrait être un élément propulseur plutôt pour pouvoir que ce dossier ou que ce projet puisse arriver à accomplissement. Alléluia. Tu sais, si tu as une entreprise, que tu as quelque chose qui est en projet, qui est en cours, tu sais également, tu sais exactement de quoi je parle dans ta vie. Alléluia. Tu as un projet, il y a un projet ou plusieurs projets que tu as mis en place, que tu n'arrives pas à terminer. Nous allons prier pour ça ce soir. Tu vas remettre ça entre les mains du Seigneur. Tu vas prier pour ça. Tu vas demander à Dieu vraiment qu'il envoie ses anges et que toute personne qui était un obstacle à l'avancement de ce dossier ou de ce projet soit éloignée. Mais que toute personne qui aidera, qui te propulsera dans ce projet, dans ce qui est à table depuis quelque temps, que cela vraiment, que si tu attires, que Dieu attire plutôt ces personnes dans le nom de Jésus. Élevons la voix. Choco robo sakara baba. O robo shikiriba au santé. Seigneur, nous te bénissons ton nom, toute la gloire, toute la puissance, toute l'honneur qui t'est dû. Nous remettons tous les dossiers entre tes mains, tous les projets, Seigneur, que tes enfants, que nous sommes en train de monter au devant de toi, que nous sommes en train de te présenter. Tu les connais, Seigneur. Tu sais là où il y a un blocage quelconque, tu connais Éternel là où il y a une opposition quelconque. Seigneur, nous élevons la voix afin que tu, Seigneur, nous demandes à ce que tes anges, Saint-Esprit de Dieu, soient envoyés afin de, Seigneur, de doter toute situation bloquante, toute situation, Seigneur, qui pourrait perdurer ce dossier, qui pourrait être une entrave, une pierre d'achoppement par rapport à ce dossier ou par rapport à ce projet. Nous prions, Éternel, que les projets, que les dossiers qui sont en cours depuis des mois et des mois, des
des semaines et des semaines, des jours et des jours, et qui traînent alors qu'ils auraient dû prendre moins de temps. Nous les remettons entre tes mains, afin que, Seigneur, tu te glorifies. Seigneur, attire toute personne qui pourrait être un élément propulseur à l'accomplissement de ces projets, à l'accomplissement de ces dossiers, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que, Seigneur, que nous puissions avoir le discernement pour avoir, vraiment, pour reconnaître tes connexions divines par rapport à cela également. Que cet esprit de Dieu, que tu puisses vraiment, vraiment, vraiment conduire toutes choses, que tu puisses vraiment remettre, que tu puisses, Seigneur, vraiment mettre ton sang sous ces dossiers, sous ces projets, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que, Seigneur, tout frein, tout ralentissement, tout arrêt qui avait été, Seigneur, entrave et qui avait été instauré, Père, soit anéanti dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais que, Seigneur, que l'accomplissement se fasse de façon incessante, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, incessamment sous peu, que les accomplissements, Seigneur, soient matérialisés physiquement, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci, parce que tu connais toutes choses, afin que ton nom seul soit glorifié. Nous allons encore, amen, amen, nous allons encore élever la voix, nous allons prier pour le discernement. Pour le discernement, alléluia. Pourquoi le discernement? Parce qu'un enfant de Dieu a besoin, surtout dans les derniers temps où nous sommes, d'avoir du discernement. Le discernement pourquoi? Pour savoir qui est en face de toi. Pour savoir quelle orientation prendre. Le discernement par rapport à une situation, pour savoir quelle action poser. Et souvent nous négligeons ce don qui est un don qui est très très important. Nous avons besoin de discernement. Nous avons besoin de discernement pour pouvoir ne pas faire d'erreur et pouvoir poser les bonnes actions au bon moment, à la bonne saison, dans le bon temps. Le discernement. Jésus avait du discernement. Jésus avait du discernement. Et il est important que nous puissions avoir du discernement. Et souvent, nous négligeons ce don. Nous ne demandons pas à Dieu de déguiser notre discernement. Nous allons demander à Dieu de déguiser notre discernement de façon à ce que nous puissions vraiment être orientés selon sa volonté. Mais que nous puissions poser les actions, les bonnes actions, les bons moments, au bon moment, pardon, dans le bon lieu. C'est important. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Donc nous allons élever la voix. Seigneur, donne-nous le discernement. Donne-nous le discernement. Aiguise notre discernement. Parce que dans les derniers temps, vous savez, il y a beaucoup de séduction. Le discernement, quand tu as le discernement, tu peux faire face à la séduction. Quand tu as le discernement, quand tu te retrouves face à quelqu'un qui se dit de Dieu, tu peux savoir si c'est le cas ou pas. Tu as besoin du discernement pour ça. Malgré, tu vois qu'il y a des miracles, il y a des prodiges, il y a des choses qui se font, tu peux savoir vraiment. Donc, tu as besoin du discernement. Nous avons besoin du discernement. Nous avons besoin du discernement. Dis à Jésus, Seigneur, j'ai besoin du discernement. Dis-le encore. Seigneur, j'ai besoin du discernement. Accorde-moi que mon discernement soit aiguisé. Dis-le au Seigneur. Seigneur, donne-moi un discernement encore plus aiguisé. Encore plus aiguisé. Alléluia. C'est important. C'est vraiment, vraiment, vraiment important. Donc, nous allons élever la voix. Seigneur, donne-nous le discernement. Ça va être vraiment les derniers sujets qu'on va prendre ensemble avant de clôturer. Seigneur, élevons la voix. Élevons la voix. Père, donne-nous le discernement dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, tu sais combien de fois, Père, j'ai reçu des messages, des personnes, des témoignages, de personnes qui ont été abusées, mal rencontrées, des personnes qui ont été, Seigneur, détruites. Seigneur, je te prie pleinement que tu nous accordes dans les temps dans lesquels nous sommes, surtout dans ces temps, Père, un discernement de plus en plus aiguisé, de façon à ne puissions pas être séduits. Parce que la séduction, Seigneur, plus les jours passent, plus les mois passent, plus les années passent, plus la séduction s'accroît, plus effectivement également tu reviens. Mais Seigneur, il est important que nous puissions, en tant que tes enfants, en tant que tes ambassadeurs et ambassadrices, nous puissions avoir ce discernement afin, Seigneur, de pouvoir poser les bonnes actions, à poser au bon moment les bonnes orientations, au bon moment, au bon instant, au bon endroit. Que tu nous accordes le discernement en toute situation. Que nous puissions, Seigneur, vraiment être des acteurs ayant un discernement aiguisé afin que nous puissions faire face plutôt à toute forme de séduction. Que nous puissions pas être, Seigneur, de ceux, Père, qui seront séduits par toutes sortes de vents, mais que, Seigneur, nous puissions être ceux qui sont affermis et que, Seigneur, que ceux qui ont un discernement tellement aiguisé que même l'ennemi, Seigneur, ne peut pas jouer en notre défaveur, Père. Que cet esprit de Dieu, que tu puisses accorder à quelqu'un le discernement par rapport à sa vie, le discernement par rapport aux situations à venir, le discernement, Seigneur, par rapport à toute la séduction qui est en train d'augmenter, qui est en train de croître, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci que tu accordes, Seigneur, à plusieurs, que tu nous accordes le discernement ce soir, afin que ton nom seul soit glorifié, magnifié, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Nous allons encore élever la voix. Alléluia. Alléluia. Sois béni, Christian.
Sois béni, Christian. Nous allons encore élever la voix. Nous allons encore élever la voix. Nous sommes sur les 7 minutes avant de terminer. Nous allons prier vraiment pour... Pour vraiment notre famille. Vous savez, les familles sont attaquées, les familles sont détruites. Les familles sont vraiment, vraiment attaquées de nos jours de plus en plus. Et tu vas prier vraiment que Dieu garde ta famille, Dieu garde tes enfants. Dieu garde ceux qui te sont chers, ceux qui te sont proches. Alléluia. Donc nous allons élever la voix dans ce sens. Tu vas demander à Dieu à ce que ta famille, les familles qui te tiennent à cœur, soient environnées de la protection divine de Dieu. Élevons la voix ensemble. Père, nous te bénissons, ton nom, toute la gloire. Merci pour nos familles respectives. Que tu puisses, Saint-Esprit de Dieu, vraiment les protéger par ton sang précieux. Que tu puisses les garder dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Seigneur, que ta protection divine, Seigneur, vraiment demeure sur leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tu puisses vraiment, vraiment les garder, les protéger, les garder de tout accident, de tout incident dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que Saint-Esprit de Dieu, tu puisses permettre que qui est l'harmonie, que là il y avait la destruction par la disharmonie, par Seigneur toute forme d'incompréhension, par toute forme de division quelconque. Nous prions Seigneur que vraiment que tu puisses rétablir l'unité, que tu puisses rétablir l'union, que vraiment que tout esprit de destruction qui avait tendance ou qui agissait déjà dans les familles, dans les couples pères, soit vraiment anéanti dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toute semence qui serait là, vraiment pour vraiment détruire une famille quelconque, que cela soit anéanti dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cet esprit de Dieu, que là, il y avait la distraction qui agissait, qui créait la désunion, qui créait toute forme de désunion, cet esprit de Dieu. Que cela soit anéanti dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cet esprit, vraiment, nous remettons chaque famille, chaque personne qui est connectée ce soir, chaque famille entre tes mains, de façon à ce que cet esprit, tu puisses garder, protéger, que tu puisses, Seigneur, vraiment, créer l'unité, l'amour, l'harmonie. Que vraiment, que l'amour qui pardonne tout, Seigneur, soit maître dans les familles. Que l'amour, Seigneur, que l'amour qui efface, que l'amour qui supporte, soit vraiment le règne plutôt dans nos familles, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci que tu crées l'unité, tu crées l'amour, que là il y avait la désunion, la destruction, que tu enlèves tout cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Là il y avait la violence conjugale, physique, morale, que tu enlèves tout cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, mais que tu instaures l'amour dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Amen, 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 amen. Mets ta main droite sur ton cœur. Mets ta main droite sur ton cœur. Alléluia. Mets ta main droite sur ton cœur. On est à quelques minutes avant la fin. Je vais prier pour tout le monde ce soir. Je vais prier pour tout le monde. Mets ta main droite sur ton cœur, vraiment. Alléluia. Vraiment que Dieu vraiment continue de vous restaurer. Alléluia. Avant que je prie, l'Esprit de Dieu me met à cœur vraiment d'encourager quelqu'un dans sa solitude. Que vraiment l'Éternel vraiment te soutienne et te fortifie dans cette solitude. Mais sache que tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul, que Jésus est avec toi. Que Jésus est avec toi, qu'il marche devant de toi et qu'il te garde et te protège. Et que même si tu sembles être seul, même si on ne te comprend pas, même si souvent tu es incompris, tu es incompris, on ne te comprend pas, mais le Seigneur te comprend. Il connaît les profondeurs de ton cœur. Il connaît vraiment, vraiment tes pensées. Il connaît son amour, l'amour que tu as pour lui. Donc, je t'en prie vraiment, sois en paix. Alléluia. Donc, mets ta main droite sous ton cœur. Alléluia. Ferme les yeux. Dis merci à Jésus là où tu es. Dis merci, Seigneur, pour ma vie. Dis-lui, merci Seigneur pour ce que tu opères. Merci Jésus pour mon avenir, parce qu'il prend soin de toi. Hein? Et ton avenir est placé entre ses mains. Dis-lui, Seigneur, dis-lui merci. Dis-lui que tu l'aimes. Jésus, je t'aime. Alléluia. Et ferme simplement les yeux pendant que tu as la main sur ta poitrine, sur ton cœur plutôt. Je priais pour la fin. Père, je te bénis, je t'exalte, je te magnifie. Tu es digne, tu es glorieux, tu es puissant. Seigneur, merci pour ce temps que nous avons passé en ta présence. Une heure vaut mieux, vraiment, vraiment, vaut mieux que nulle ailleurs, vraiment. Vraiment, vaut mieux passer du temps en ta présence, passer du temps devant la télé, ou passer du temps devant Novelas, ou encore devant
toute forme de distraction inutile qui ne nous rapporte rien, ni physiquement, ni spirituellement. Père, Seigneur, de même que tes enfants ont la main posée sur leur cœur, je prie, Seigneur, que ta paix envahisse quelqu'un ce soir. Celui qui avait besoin de paix, reçoive la paix. Celui qui avait besoin d'amour, reçoive l'amour. Celui qui avait besoin de joie, reçoive la joie. Que Saint-Esprit de Dieu, celui qui avait besoin de ton feu, continue de recevoir ton feu. Que Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses garder, protéger chacun, chacune connectée ce soir, ainsi que leur famille respective. Que tu puisses, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, opérer une action en leur faveur. Que Saint-Esprit de Dieu, tu puisses les garder en cette semaine de tout incident, de tout accident dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses permettre qu'ils aient un sommeil doux et réparateur. Tous ceux qui étaient insomniaques, qui avaient des sommeils qui étaient saccadés. Que Seigneur, que tu leur accordes un sommeil doux et réparateur au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que tu permets que cette semaine qui est déjà entamée, qu'elle se puisse continuer dans, Seigneur, dans une atmosphère de gloire, une atmosphère de prière, une atmosphère vraiment où ton nom encore est glorifié et magnifié. Bénis chaque personne, bénis chaque famille, que chacun puisse, Seigneur, vraiment compter sur ta grâce, pouvoir au besoin de chacun. Tu connais les difficultés de chaque personne, de chaque famille connectée ce soir. Tu sais qui manque de denrées alimentaires dans son frigo. Tu sais qui manque de finances sur son compte bancaire. Tu sais qui manque d'amour dans son foyer. Tu sais qui manque de joie dans sa maison. Tu sais qui manque d'harmonie, Seigneur, autour de lui ou d'elle. Tu sais qui manque, Seigneur, vraiment d'espérance. Mais Seigneur, que ce soir, que tu puisses combler tout un chacun. Car tu es le Dieu qui comble. Aucun homme ne peut combler nos vies, mais toi et toi seul. Seigneur, merci parce que tu continues d'opérer dans chacune des vies, que tu puisses combler les besoins de tout chacun, afin que chacun puisse témoigner que tu es Seigneur, que tu n'as pas changé, que tu es le Dieu de miracles qui accomplit. Fraye un chemin pour celui qui en a besoin. Seigneur, maman, accomplis. Seigneur, matérialise, Seigneur. Maman, amène à l'accomplissement physique, afin que ton nom seul soit honoré, exalté et glorifié. Que vraiment, Seigneur, tu puisses bénir tout un chacun ici présent, et que toute la gloire, et que toute la puissance te revienne à toi et à toi seul. Et que tout le monde dise amen, 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 amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. C'est une heure vraiment. Nous allons continuer demain à la même heure, le dernier jour, le troisième jour. Si tu as envie de prendre un temps à part devant Jésus-Christ de Nazareth dans le jeûne et dans la prière, sens-toi libre de prier dans ce sens, de le faire dans ce sens. Et dans le cas contraire, nous avons rendez-vous à la même heure, à minuit, heure de France, et 18h, heure dans les Caraïbes et le Canada. Nous nous retrouvons également vendredi et samedi pour la convention pour des femmes. Tu es une femme ou tu es un homme. Même si tu es un homme, c'est pas grave. Tu es le bienvenu à cette convention qui aura lieu à l'église Pierre Angulaire, anciennement le fondement des apôtres, pour ceux qui connaissent, puisque cela a été une église qui a été une église pilier dans la Caraïbe. Donc, tu es convié, vous êtes convié. Ta présence est indispensable. Alléluia. Je répète encore, ta présence est indispensable. Même si tu fais partie d'une autre assemblée, ce n'est pas grave. Viens, tu vas recevoir de la part du Saint-Esprit. Viens, tu vas recevoir de la part du Saint-Esprit. Donc, vraiment, sois présente. Si tu n'es pas dans l'île, tu es dans une autre île ou d'une autre contrée, invite quelqu'un. Nous connaissons tous des femmes. Alléluia. Nous connaissons au moins une tati, une cousine, une amie, une collègue. Nous connaissons au moins une connaissance à qui on a parlé dans une foire. Donc, nous avons des personnes que nous connaissons en tant que femmes. Même les hommes connaissent des femmes. Donc, il y a certainement une femme que tu as des vues sur elle. Invite-la au séminaire. Il y a une femme peut-être que tu as envie de lui dire quelque chose. Invite-la au séminaire. Il y a quelqu'un peut-être à qui tu courtisais avant, mais que tu ne courtises plus. Invite cette personne au séminaire. Vraiment, invite toutes les femmes que tu connais. Prends ton répertoire, toutes les femmes que tu connais, et envoie-leur une invitation. Et dis-leur que
elles ne seront pas déçues parce que le Saint-Esprit sera au rendez-vous et qu'elles s'attendent à recevoir de la part du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit vraiment va toucher, restaurer, briser, délivrer, opérer une action dans la vie de tous ceux et celles qui seront au rendez-vous. Donc ne rate pas ce rendez-vous. C'est un rendez-vous divin. Vraiment, ne rate pas du tout ce rendez-vous parce que l'Éternel va encore agir. Donc même si tu n'es pas là physiquement, que tu as 8000 km ou encore plus loin que ça, invite quelqu'un que tu connais ou plusieurs personnes que tu connais à venir car nous aurons un moment merveilleux dans la présence du Seigneur. Alléluia. Donc à 19h, pintante, que vraiment nous puissions vraiment être au rendez-vous divin. Alléluia. N'oublions pas Israël pour ceux qui se sont déjà inscrits. Alléluia. Israël, pour il y a les dernières inscriptions à effectuer pour Israël pour le mois d'octobre. Alléluia. Pour ceux qui veulent inbox ou par le site, vous pouvez faire votre demande. Et ainsi que d'autres programmes qui arrivent à grands pas au mois de mai, au mois de juin et les mois à venir. Restons connectés ensemble. Et vraiment que nous puissions vraiment aspirer encore à voir la gloire de Dieu parce que Jésus attend de nous, compte sur nous. Donc vraiment que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Alléluia. À la rue Henri Becquerel, effectivement, pour samedi et vendredi. À la rue Henri Becquerel, à Jarry. Alléluia. Donc en tout cas, je vous aime. Je vous aime. Que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous demain. Ayez un sommeil doux et réparateur pour ceux qui vont dormir, pour ceux qui sont encore à la maison. Vraiment que Dieu vraiment continue de faire son œuvre dans votre vie et qu'il vous inspire, qu'il vous protège et qu'il vous garde. Alléluia. Parce que vous avez encore beaucoup à faire et sachez que vous êtes précieux et précieuse devant les yeux du Seigneur. Alléluia. Je vous aime. Soyez bénis. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Jésus, pendant que tu pars, fais un pas pour le Seigneur. Alléluia. Fais un pas de danse. Bonne soirée Josué, bonne soirée Docteur Siba.
Bonne soirée Ashley, Myriam, bonne soirée Fabienne, Stéphanie, Véronique, Pasteur Véronique, Mademoiselle Tania. Que le Seigneur vous bénisse pleinement. Bisous, 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 bisous. Bonne soirée Brigitte, sois bénie. Bonne soirée Docteur Siba, Pasteur Docteur Siba. Sois bénie, God bless you. Faites un pas de danse avant de quitter. Faites un pas de danse avant de quitter. Là vous êtes, faites un pas de danse. Un pas pour Jésus. Bye bye bye. Have a good night. God bless you. Soyez bénis. Rendez-vous demain. Demain, 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 même heure. Be blessed. Shalom, 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 shalom. Canada, oh, bisous, bisous, love you Denise, ça fait longtemps, oh, ça fait plaisir, on est sur la fin malheureusement, mais bon, rendez-vous demain à minuit, heure de la France, donc 18h, heure des Caraïbes et Canada, vraiment, vraiment, sois béni Denise, oh, ça fait chaud au cœur. Bisous, bisous, Denise. Bisous au Canada, vous me manquez. Bye bye. Bye bye, bisous, bisous, I love you.